à matin, c'est notre départ. Il n'y a personne, il n'y a pas d'équipe de football, c'est juste des marcheurs qui vont être là. Fait que c'est moi qui fais l'animation. On a un 10, un 16, un 22 aujourd'hui, journée magnifique. C'est parti! On est perdu, il est 10h. Fait que 5h, c'est pas revenu, mais 9h1. Qui sont sur un cap de roche et qui vont passer la nuit pour la première journée. Mais une chance, tout le monde a de la nourriture. Fait que puis il fait beau, parfait. On va être prêts pour demain. On s'en va où? Après 1,2 km, Confucius. Confusion. La panique est pognée. La panique est pognée. On sait pas où aller. On va au Belvédère, on va à l'autre Belvédère, on revient. Lui était supposé fermer la marche, puis là, il l'ouvre. Là, c'est pas ça qu'on comprend rien. Alors c'est super, on s'amuse, ça pousse les limites. La grotte? Je suis allée à la grotte. Oui, avez-vous vu la fée? Je suis la fée. Enfin, on a trouvé la fée! Et voilà! La fée! Bien modestement. On est une gang de fées, ceci. Il y a plusieurs fées. Une grotte, il y a plusieurs fées. Et tu te sens le courage, les jambes, la force. Je te propose le 16. Il me paraît beaucoup mieux. Le 16 kilomètres. D'accord. Où il y a le 22, tu arrives dans le vignoble avec les odeurs et les arômes de l'Italie. Ok. À Matane. On choisit les 16 prochains. Bon. Hein? Pourquoi prendre moins? Oui, moi je suis parce que je veux pas me perdre. Okay. Oui, bonjour, bienvenue au vignoble de Carpinteri, à tous les gens la traversée. On est le vignoble le plus nordique au Canada, donc comme vous pouvez remarquer, on est le seul vignoble qu'on fait pousser aussi nos raisins en serre, donc on a des cépages européens qui poussent en serre. Le vignoble existe depuis 2004. Et la villa en arrière, la villa de style Toscane depuis 2010. Donc, on a un concept unique pour la villa et des vins particuliers au Québec parce qu'on fait pousser vraiment là, les raisins vinifères en serre. Et encore une fois, bienvenue tout le monde!
Tarantela. Italia.